bonsoir tout le monde, bienvenue sur News Haiti. En fait, hier qui était dimanche 21 mars, eh bien, et bossan chef dans le département Homeland Security, il a annoncé que pour le moment, frontière a fermé. OK? So, nous le parler de secrétaire Homeland Security, Alexandre Mayorkas, bien entendu, il a profité des fins de stratégie et immigration Biden et il mettait en face sur, en fait, dans plusieurs interviews qu'il a gagné. En pile média, il était parlé en pile sur Softened Border là, que il fait main. Et justement, c'est par rapport avec quantité de migrants qui ont entré dans le pays, passant par le Mexique, l'Amérique centrale. Et maintenant, il dit que, en fait, il a rappelé à tout le monde, même Captain Dem, tout pour qu'on ait, juste au moment où on a parlé là, il a continué à déporté, on dit expulser n'importe monde qui traverse sur frontière là. On dit single adult, et ça vous fait comprendre. Et maintenant, unique monde justement qui est supposé kembe, c'est Sandarile, petit monde qui a pas accompagné. Donc il dit clair, petit monde qui a accompagné pas supposé faire tentative pour traverser frontière pour faire journée ça. Il m'a donné un message clair, il dit et pour petit monde pas venu mais comprendre bien de manière légale, c'est que si petit monde venu obligé accepter. Voilà le ce qui explique pour qui ce qui explique et la raison pour laquelle que justement ils ont décidé de faire main puisque actuellement il a essayé avec maigre ressources pour yo premièrement héberger Timon Sayo et fondo il y a à peu près 86 millions de dollars qui ont investi pour un hôtel donc c'est un véritable problème mais dans ça vous comprendre parce que grand pile monde qui dit que en fait, Donald Trump a critiqué, il dit que Biden est venu dans une situation de frontière stable et que c'est lui-même qui est le problème. Mais ça, vous nous comprenez. Vous devez rappeler nous que il y a un ensemble de politiques que Donald Trump a appliqué, Gomban Laden au fédéral côté bloqué. Je vais citer pour vous. Que politique, ça nous relève, remain in Mexico. Côté que mon affaire fait asile, Donald Trump, tout pas rentrer aux États-Unis, on va aller en Mexique. Pour faire asile. Bon, bon. Ça veut dire, ça vient créer plus de problèmes. Ça, vous nous comprenez. Là, vous venez de bon monde capitaine au Mexico. Alors, quand tu es supposé processer depuis Donald Trump, c'est là que vous comprenez la problématique. Là. Oh, la loi, justement, la fin d'accord avec la loi, clé sous ça, on ne peut pas empêcher le monde d'avoir demandé asile. D'ailleurs, gagner, en fait, c'est pas sur toute frontière là, gagner son parti dans la frontière là, le tribunal est bloqué. Bien entendu, il est style. Appliquer le sous Softened Border là. De toute façon, m'a essayé de montrer le problème qui gagne dans la politique humaine du Mexique, qui en pile monde, il a accusé Joe Biden par le fait que il défait politique là. Mais c'est un politique qui est allé à l'égard de la loi, son politique qui t'a poursuivre qui t'a. C'est ça vous comprendre. Réalité as qui s'est allié, c'est qu'effectivement d'après la loi, les monde dans mali asile ou supposé être en délit et fait suivre tout processus yo dans une certaine mesure et que si il perd asile là ou déporté. C'est ça processus là. C'est ça lié. Maintenant, ça, vous nous comprenez. Résoudre ce problème, c'est mettre autant de ressources. Parce que le problème, c'est qu'il a demandé pour mettre beaucoup plus de ressources sur frontière là. Ça qui pas de gain. Et c'est là le problème. Pas de gain ressources du tout. Donc, Biden vient joindre une frontière côté que pas de gain. Tant pas de gain rien. Donc, quantité de monde qui vient monter à l'île, grand temps, surpassé. C'est là un véritable handicap là. Et le problème, c'est là, il faut le dire. Pas de autre façon. Une meilleure façon pour résoudre, c'est justement affecter autant de juges possible parce que l'on pile le monde faut gagner plus juges qui pour attendre. OK, et toujours pour nous rappeler nous n'a pas bloqué un fédéral court t'es bloqué yon bagay que Donald Trump t'a voulu faire qui ça altéré les Ted Country Asylum. Ça ça veut dire c'est comme d'adou sous passer dans pays avant arriver aux États-Unis faut demander asile dans pays ça fédéral court t'es bloqué. Donc ça vous essayez de comprendre c'est que une bonne politique que Donald Trump t'a appliqué qui pas nécessairement en accord avec la loi que Biden pas de cas entrer agir dans illégalité. Maintenant, on nous dit que administration Biden là les victimes de perception. Faut une clé sur ça. L'un des victimes de perception dans le sens que tu grand bout dit eh bien c'est barrière libre. C'est ça qui expliquait que une bonne monde qui juste pensait que il y a panique traversée. Maintenant, il faut le dire tout au niveau de Mayorkas. Et Mayorkas, dans le discours, il est parfois un peu trop flexible, puisque il dit pourquoi venir venu là. Les clairs, il faut dire nous ne pouvons pas venir
parce que il y a des trois problèmes pour résoudre, faut résoudre problème interne, yo pas qu'à continuer à accumuler. Donc c'est comme ça pour nous. En fait, il faudrait qu'à un certain moment de la durée, Mayorkas justement et agit et de manière et pour gagner un certain temps ferme sous dossier ça, parce que c'est un dossier sérieux. OK? Maintenant, nous rappelons que plusieurs et juges justement prononcé au sous-dossier ça. Ça dit son façon pour nous expliquer monde que et en fait d'ailleurs Mayorkas t'a dit ça tout grand ensemble de bail fait c'est pour être en accord avec la loi et que par conséquent perception c'est pas faute yo. Donc le fait que grand perception positive qui expliquait autant de monde qui a traversé. Mais ça André tout c'est que il y a effectivement une crise sur la frontière et il faut adresser ce problème. Maintenant ça qui vient là grand bon adulte qui traversait yo bay nouvelle là gagné qui traversait même côté à la gueu sans ou pas même bay un papier pour pas être devant côte. C'est une situation assez compliquée qui en pile dans monde ça yo que yo la gueu yo juste pas rendre compte que li pral plus difficile les a besoin gain papier gain en bande tout qui entré y a ni entré pour compte yo pas à personne monde pas grand ken papier en d'autres termes c'est yo relé ça en documentaire de c'est des monde qui pas documenté pas gain ken document que on dans pays a c'est ça que moun sa yo pas rendre compte bon bande monde qui grand passé là et ça fois yo obligé faire mal ça que moun sa yo pas rendre compte j'en t'ai expliqué dans l'avion hier soir là lorsque yo pral adjust status yo li pas une véritable difficulté pour yo mais par contre wap di un monde qui fait qu'entrer dans pays à cause ça OK maintenant fait venir et que wap expliquer le cause ça li just il juste pas comprendre parce que pour le moment il est là tout simplement il est là et en fait handicap là tout ça va dépendre de qui bon côté monde ça décider à fonctionner on a dit monde ça vient Florida ou vient Florida et on va demander soit venir chercher puisque il y a un bagage qui vient ici là pas qu'à conduire on va venir c'est vrai qu'on fait pas être content mais à certain moment on va venir rendre compte que soit venir faire là soit pas qu'à conduire on va venir poser cette question soit pas qu'à déplacer. OK, so ça sont l'autre handicap. Mais en réalité, c'est que effectivement, gagne un record number de ti moun qui pas accompagné nan moment là et qui est obligé kembe nan custody et li clair que d'après la loi, Mayorkas dit clé nous pas ka expulser young adult vulnérable. Yo pas ka faire ça. Donc et ce qui explique cette crise chaque jour qui a passé et li ne fait que s'empirer. OK? Et que plusieurs médias a parlé de lui à un certain moment de la durée administration Biden a obligé et qui m'a dit ça diminuer accès médias yo sous bord de là pour pas qu'on ait trop de détails puisque bah là commence à paraître l'aide. Et j'en ai dit, Biden présentement qui fait un pile succès, que ce soit en termes de coronavirus, que, en fait, stimulus qu'il passe là, et vaccin qu'il baille. Mais maintenant, il faudrait qu'à un certain moment de la durée, pas quitter le dossier ça à chavirer, parce que autrement, dans l'opinion publique, le monde pourrait avoir une impression que nous entrons dans une période de open border. Open border, on parle de barrières libre et pour plusieurs monde par bon ici yo nécessairement pas prendre ça dans main et la difficile justement pour et aborder cette semaine ça nous connaît il y a des dossiers qui lié à légaliser un ensemble monde qui commence à parler donc nous pas suivre l'autre semaine là qui j'ai un dossier ça oui nous voulons rappeler que député a voté jusqu'à présent n'a pas dans Sénat pour qu'on gagne rien donc en pile monde à suivre pour connaît qui j'en dossier ça pour venir nous dépenser l'important pour nous porter update ça pour mais nous voulons rappeler une fois encore pour tout le monde qui sous asile pas oublier que ça relie asylum seeker advocacy project l'état important pour membre la donne puisque li bon ou yon ensemble de protection mais bon pendant encore c'est asylum seeker advocacy project qui bon avantage que ce soit en termes d'argent ou payer moins ce qu'on doit faire quatre travail
Mais que ce soit tout en termes de temps, yo bon travail la plus rapide, ou même tout, que au monde pour 365 jours, c'est simplement 150 jours à temps. Donc, en fonction de tout ça, avantage ça, nous pensons qu'à chaque vidéo, nous mettons mon yo, puisque nous connaissons plein d'haïtiens qui sont asile et qui pas au courant de l'opportunité, ça nous toujours rappeler mon yo pour yo, parce que moi, en fait, moi, gade un pile moun qui a fait application, je pense qu'il a pris un temps, moi, je joins ni dans 2 jours, 3 jours. Donc, moi, à chaque fois, moi, je voulais rappeler à membre communauté, c'est une opportunité pour ne pas quitter, échapper. Là, moi, adressé surtout avec Haïtien préparé, moi, qui sont asile pour saisir l'opportunité, ça pour yo. Membership ou pas payer pour member là, dans Asylum Seeker Advocacy Project. Donc, moi, là, je suis sur ça, et portez-nous tout bien. Pas oublier nous-mêmes les toutes dernières updates qui ont rapport avec immigration, mais tout actualité politique, ça qui a passé. Haïti n'est pas bon ici, aux États-Unis, nous sommes toujours là avec vous. Bye bye tout le monde.